Et bien là, je vais vous présenter les skis de slalom junior qui se déclinent en plusieurs tailles, qui vont de la taille 126 à 156. Sachant que chez nous, la construction est similaire de la taille 126 à 156. C'est un autre avantage, on est sur un ski en bois. Donc on n'a pas trop de différence. Un enfant, quand il commence de la petite taille jusqu'à, on va dire, U14, U16, il aura le même ski et ça lui permettra d'évoluer assez facilement et de partir après sur des skis adultes en bois. Par rapport à l'année dernière, on a un changement juste sérigraphique, principalement. Toujours les plaques pré-percées. On peut la possibilité de mettre deux types de fixation, des 9 ou des 11, en fonction du poids. Nouveauté sur les skis juniors, cette année, maintenant, ils arrivent avec une structure que vous pouvez voir ici, où ils sont mis à plat, structurés et affûtés à 89, donc pareil à skier. Voilà en gros pour le ski de slalom. Et bien là, je vais vous présenter les skis de géant junior chez nous, donc ils se déclinent de la taille à 138 à 173 comme celui-ci. Pareil que les skis de slalom, même construction, tout en bois, de la plus petite taille à la plus grande taille, donc pas de distinction particulière. Pareil, plaque pré-percée avec les fixations de la 11 comme celle-ci à la 9, plus petite pour des poids moins importants. Sérigraphie par rapport à l'année dernière qui a un petit peu changé, avec l'avantage où on a la taille et le rayon sur le ski directement assez facilement visible. Pareil que les skis de slalom, maintenant les skis arrivent structurés, mis à plat, prêts à skier. Et chez nous, le ski de slalom, c'est vraiment une référence, le ski de géant est vraiment une référence en termes de glisse et de facilité. Alors là, je vais vous présenter le ski de slalom FIS adulte. Là, j'ai la taille 165, il se décline aussi en taille 156 pour la femme ou alors pour des jeunes adultes. La particularité de ce ski, c'est que c'est un ski en bois lamellé. Vous retrouvez ici une plaque, la même que l'année dernière. Particularité sur les skis FIS, deux plaques, une courte et une longue, en fonction de la rigidité. Possibilité ici de rajouter un piston en option pour pouvoir rigidifier le ski. Les skis chez nous adultes arrivent structurés, mis à plat et 88, donc pareil, prêt à skier. Chez nous, le ski de slalom est quand même une référence depuis 3 ans, depuis l'arrivée de Pinturo. Donc c'est un ski qui est beaucoup plus facile que les années auparavant, qui étaient des années compliquées pour nous en slalom. Maintenant, voilà, 3 ans qu'il existe, et je pense qu'il a fait toutes ses preuves, et il continue à plaire, et continuera.